Eliu Kazungu, avec un Tyson. Pourquoi? Les hommes, ils doivent se voir face à face. Parce que moi, je ne me suis jamais caché, moi. J'étais toujours ici. Parce que moi, quand je parle, je suis là. Non, 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 moi, quand je parle, je suis là. Moi, quand je dis les choses, vous me connaissez, je suis là. Mais pourquoi maintenant ils se cachent? Parce qu'ils ont parlé pendant 11 mois. Et maintenant, ils disent, Adil, il est bon. Non, c'est eux qui sont mauvais, c'est pas moi qui les bon. Coach, vous remportez un troisième titre. Depuis que vous êtes arrivé sur Banda, quels sentiments pouvez-vous nous partager? D'abord, merci Dieu, alhamdoulilah. C'est l'effort de tous les membres de la famille à PFC. Un titre avec un goût très spécial. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté la PFC. On a commencé le championnat avec des joueurs très jeunes, avec un 11 de base très modifié, des joueurs qui viennent des clubs que la plupart, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné des titres. Et vous connaissez très bien l'objectif de la PFC, c'est les titres. C'est un grand club. Voilà, on s'est entretenu avec les dirigeants et on a pris ce risque pour le bien du football de la nation. Les joueurs, ils ont été là, ils ont été au rendez-vous. Le bilan, elle est très, 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 très positif. Mais on doit garder pied sur terre. Alors, ça commence au mois d'août avec un bon parcours au niveau des compétitions à CAF. On a fait des bonnes prestations à la maison. Les conditions africaines ne nous ont pas laissé de faire une performance pour aller au group stage. C'était vraiment possible. C'est au match retour africain contre le tenant de titre. On a sorti avec la tête haute. Vous avez vu vraiment le scénario du match. Après, on a repris le championnat. On a lutté pour arriver là où on est aujourd'hui. C'est pas le match d'aujourd'hui qui nous a donné le championnat, mais c'est le match. Les matchs qu'on a travaillé depuis le début du championnat, les joueurs ils ont répondu présent. Il y avait vraiment une équipe, il y avait une machine qui fonctionne en perte et en possession du ball. Et vraiment, il y avait des efforts à respecter. On est champion. On a entamé le parcours de la Coupe de la Paix. On est en finale. C'est excellent. Aujourd'hui, on a gagné le championnat. Et après, on a eu 7 joueurs dans la liste finale de la Mavoubi, liste internationale. Je pense que tous les objectifs ont été réalisés. Avec un noyau modifié à 80% et avec des jeunes joueurs que la plupart, jamais, ils ont gagné la Coupe à Ligue de Rwanda. Comme je t'ai dit, on avait un groupe de jeunes. Je tiens à dire la vérité, je vais être honnête. J'ai beaucoup apprécié le parcours de Kievo cette année. C'est une équipe qui a bien travaillé. Beaucoup de respect pour le dirigeant de Kievo. Beaucoup de respect pour le staff technique de Kievo, head coach, staff technique. Beaucoup de respect pour les joueurs de Kievo, tous les intervenants de l'équipe de Kievo qui nous ont donné vraiment cette possibilité de grandir, de dépasser les obstacles, de travailler chaque jour, travailler chaque seconde, passer des nuits blanches. Vraiment, c'est comme ça que le niveau du joueur rwandais, il va
aller plus haut. C'est comme ça que le niveau de la Ligue rwandaise, il va aller vers le haut. Je tiens que remercier, vraiment, Kivu, Aïs Kigali, Rayon Sport, pour vraiment ce qu'ils font pour le football rwandais, pour la concurrence au niveau de la Ligue rwandaise. Trois saisons, trois coupes, c'est pas même identique, c'est pas les saisons identiques. Quelle est la différence entre la première saison, deuxième et celle-ci? Oui, la première saison, c'était ma première saison au Rwanda. On a joué presque 24 matchs, si je me rappelle bien. C'était vraiment un championnat très dur, en continuance avec Rayon Sport. Vraiment, c'est le Covid qui a arrêté le championnat, mais on était vraiment à une différence de 6 points, je pense, si je ne me trompe pas. On était vers le titre. Vraiment, c'est Covid qui nous a arrêtés, mais on avait 24 matchs avec le Heroes Cup qu'on a gagné. La deuxième année, c'était vraiment le Covid, il a vraiment tout gâché. Mais c'était très difficile de maintenir les joueurs en forme et de maintenir le groupe soudé. Parce qu'on était toujours loin des joueurs. La tâche, elle était très difficile parce qu'on a travaillé avec les joueurs à distance et on a arrivé sur un mini tournoi. C'était vraiment très difficile. Très, 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 très difficile. C'était vraiment le championnat le plus dur. Vraiment. Mais Dieu, il nous a aidés. On était ex aequo avec Aïs Kigali qui a présenté un très bon championnat et qu'ils en avaient un très bon noyau. Voilà, on a gagné ce championnat avec le tirage, avec le goal average. Cette année, c'est un championnat complet. Et vraiment, elle a son goût spécial parce que c'est la première fois, et moi j'avoue, que je fais le championnat complet au Rwanda. 30 matchs successifs. Et vraiment, c'était aussi très difficile. Mais avec un noyau très rénové, avec une très jeune équipe, un noyau très très jeune, qui leur manque vraiment l'expérience de gérer les matchs et l'expérience de gérer le championnat. Mais ils ont grandi vite, ils ont montré qu'ils sont là, ils ont beaucoup de caractère et voilà, le résultat c'est le championnat. Et vraiment, je vous dis la vérité, il n'y a personne qui a cru à ce joueur, mais je les félicite, je félicite mon staff et je me félicite moi-même parce que ça reste championnat le plus près et le plus agréable dans ma carrière à PFC. Mais il n'y avait pas seulement le capitaine, mais il y avait Fitina Ombolenga, il n'est pas là. Il y avait Bosco, il n'a pas commencé. Il y avait Djaber, il n'a pas commencé. Il y avait Mugunga, il n'a pas commencé. Il y avait... Ouais, je vais être honnête avec vous. Et moi, je parle tout le monde toujours pour le bien du football rwandais. J'ai rien à voir avec la critique pour le... Je sais que la tâche, elle est très difficile pour l'équipe nationale. Mais, moi, je suis honnête. Moi, toujours, quand je perds, je cherche là où il y a quelque chose qui ne va pas. Quand les joueurs, ils sont arrivés, ils n'ont pas été entretenus physiquement. Ils n'ont pas fait un entraînement de décrassage pour les joueurs compétitifs après le match du Sénégal. Là, c'est un grand problème. Si on envoie les joueurs en équipe nationale, on doit penser à la performance des clubs. Et j'invite l'affaire Wafa, le staff de l'équipe nationale, il doit être un staff spécial pour l'équipe nationale. Ce n'est pas un préparateur physique de Aïs Kigali qui va me faire venir faire le coup. Il n'entretient pas les joueurs dans leur état physique qui ne jouent pas. Il ne fait pas le décrassage le lendemain du match. Ça, ce n'est pas professionnel. Ça, ce n'est pas honnête. On connaît très bien notre travail. Et les joueurs, ils arrivent fatigués physiquement. Ils ne sont pas entretenus. Un grand problème. Hein? Il faut penser à la performance des clubs aussi. C'est ça le travail professionnel. On vous a donné 8 joueurs. Les 8 joueurs, ils doivent être entretenus et l'équipe, ils jouent pour le championnat. Ce n'est pas on ramène les joueurs pile-pile, comme on dit. Ils n'arrivent pas à bouger. Alors, on ne voulait pas prendre le risque contre Aïs Kigali. Parce que si je prends le risque, moi, je savais. Quand les joueurs, ils ont arrivé, je savais qu'il y a un problème physique. Je savais, avec les voyages, avec ce qui s'est passé là-bas, je savais. Moi, je n'ai rien à voir avec le staff de l'équipe nationale. Moi, je parle du préparateur physique. Préparateur physique qui doit faire son travail. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait contre, il l'a fait contre Aper. Ça, ce n'est pas professionnel qu'il l'a fait et ce n'est pas honnête. Et normalement, le préparateur physique de l'équipe nationale doit être indépendant de l'équipe nationale, pas des clubs. Troisième point. Il arrive fatigué. Il joue contre Aïs Kigali et moi j'étais obligé de les faire jouer. Pourquoi? Si je rentre avec des autres joueurs, ils vont dire le coach il a négligé.
Et ça, ce n'est pas du respect pour mes dirigeants, ce n'est pas du respect pour mes joueurs, ce n'est pas du respect pour mes fans. Alors j'ai pris le risque, ça n'a pas allé. Dieu est grand, il nous a récompensé. Match nul de Kyivu contre Espoir. Aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai un match de coupe qui arrive. Je ne peux pas prendre les joueurs. Et ils jouent. Ils viennent du voyage. Ils jouent à Kigali et après je vais forcer sur eux contre police. Non, là je dois prendre le risque. Et j'ai pris un risque rationnel et calculé. On a gagné le championnat, merci Dieu. En préparant ce match, as-tu pensé à la défaite? Que tu peux rater la coupe à la dernière minute et même au déroulement du match? Et dernièrement, un commentaire à ce geste de tes joueurs. Regarde, le football, c'est ce qui fait la beauté et l'émotion du football. C'est la défaite à n'importe quel moment, comme c'est la victoire à n'importe quel moment. On pense toujours à la victoire et à la défaite. On essaye de trouver l'équilibre à tous les niveaux. Voilà, pour mes joueurs, vous connaissez très bien nous comment on vit à Aper. Aper, c'est la famille. Et vraiment... Ce qu'ils ont fait pour moi ces 3 ans, j'oublierai jamais. Et je suis là pour eux, ils sont là pour moi, avec beaucoup de respect. Ils m'ont toujours protégé avant que moi je les protège. C'est ça la vérité. Et je sais même pas ce que je vais dire. Parce que vraiment, si je suis là au Rwanda, si je suis là à Per, c'est pour les hommes. Comme moi je les appelle des hommes, mes joueurs, c'est pour cela que je suis là. C'est pour eux, pour cette famille de Aper. Et comme vous le savez, les joueurs, c'est les acteurs principaux de la famille de Aper FC. Est-ce qu'ils ont fait? Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, je le considère pas comme mes joueurs, mais je le considère vraiment comme mes hommes, comme mes enfants. Et je suis plus un coach pour eux. Je suis vraiment un bon père pour eux. Voilà. Coach, vous avez introduit un style professionnel avec les joueurs qui restent au camp, les joueurs qui sortaient. Donc, quand vous voulez, les joueurs qui entrent au camp, quand vous voulez, est-ce que ça vous a aidé vraiment? Mais oui, ça nous a beaucoup aidé parce que nos joueurs, c'est des jeunes joueurs qui n'ont pas l'expérience et qui doivent apprendre à gérer leur carrière, à gagner leur vie convenablement, à défendre leur statut professionnel et surtout d'être tout le temps entre eux. C'est ça ce qui fait la force de Aper. Être tout le temps entre eux, là où ils vont chercher plus. Pour être unis, pour se connaître, pour s'entendre, pour se trouver. Et vraiment, on a réussi sur ça. Et vous connaissez très bien, ils doivent apprendre à gérer leur corps, leur temps, leur performance, leur charge d'entraînement, leur récupération. Comme vous le savez, le football, pour arriver au terrain et être à 100%, il y a beaucoup de choses à côté. Et c'est ça les choses qu'on maîtrise. Et le local, il nous aide pour maîtriser ça. C'est pour cela qu'on a su que notre préparateur physique de l'équipe nationale, il nous a vraiment fait un très bon coup. Ok, merci coach. Merci. Bon, coach, tiens un coach de Enrique, si je veux dire. Mais, quelquefois, votre joueur sur le banc de touche peut donner les consignes à ses coéquipiers. Comme M. Hertier, tu as lui vu à ces matchs. Est-ce que cet style de communication, c'est toi qui as introduit cette style ou c'est le joueur qui fait ça? Oui, moi je suis très content pour ça. Question très pertinente. Quand le joueur il arrive à communiquer avec les joueurs, ça veut dire qu'il connaît la conception de jeu. Il connaît le modèle du jeu de Aper. Mais là, on a tout gagné.